Poursuivant sa visite de commandement et d'inspection dans les grandes structures des FARDC implantées dans la capitale, le chef d'état-major général, le lieutenant-général Thio Essongessa Christian, était le vendredi 30 décembre 2022 au corps des génies militaires et celui des troupes de transmission. Au corps des génies militaires des FARDC, le général-major Danga Ouzouda Brino, commandant de cette unité, a présenté un exposé axé sur l'organisation et le fonctionnement de sa structure. Il s'est appesanti sur les missions de ses corps, son organisation, les travaux réalisés dans les zones des opérations, à savoir la réhabilitation des routes Mbao Kamango et Ringeti Kainama, ainsi que d'autres travaux à travers la République. Le général Danga a également présenté les travaux en souffrance et en cours, à l'occurrence la construction du bâtiment administratif du CIFA, la construction du ministère de la Défense, la délocalisation du grand lieutenant-colonel Kokolo et autres. Les difficultés rencontrées par cette unité pour mener à bien ses missions ont été également abordées au cours de cette visite. Il s'agit entre autres des problèmes liés à l'alimentation en carburant pour entretenir les engins, la construction des casernements des militaires tels que voulus par les trinômes FEC, formation, équipement et casernement de la réforme, des FARDC, les renforcements en personnel, en matériel et autres. Le général Thio a promis de rendre compte de ses difficultés à la hiérarchie pour des prises de solutions. C'est même vendredi sous une pluie battante. Le chef d'état-major général a poursuivi son itinérance au corps des troupes de transmission. À son arrivée, le lieutenant général Thio a été accueilli par le général-major Lukwebo Mbongo Deo Gracias, commandant du corps TTR, qui lui a également présenté dans la salle des réunions les missions, l'organisation, le fonctionnement et les difficultés rencontrées par son unité. Pour marquer son passage dans cette unité technique d'appui aux opérations, le chef d'état-major général a inscrit quelques mots au livre d'or en ces termes. Sans la communication, on ne peut pas gagner une guerre. Il a promis l'amélioration des conditions de travail de cette unité. La visite de travail du chef d'état-major général de FARDC à l'état-major de la force aérienne au corps de santé militaire et à l'hôpital militaire central du grand lieutenant-colonel Kokolo s'est déroulée le jeudi 30 décembre 2022. Elle s'inscrit dans le cadre de la tournée des commandements et d'inspection dans tous les états-majors de force, des zones de défense et d'autres grandes unités de FARDC de la garnison de Kinshasa. Cette tournée permet au chef d'état-major général de s'imprégner de l'organisation du fonctionnement et des difficultés rencontrées par les structures de l'armée. À l'état-major de la force aérienne, les lieutenants général Thio a été convié à un point de situation de cette unité technique très primordiale dans l'appui et le soutien des opérations. Celui-ci a été présenté par le colonel Inyamouri Oube Eric, directeur logistique adjoint, en présence du général-major Ngamalebe Franck, chef d'état-major de la force aérienne, ainsi que les officiers de l'état-major de la force aérienne. Bien informé de la situation de cette force, le chef d'état-major général a promis d'y apporter des réponses et des solutions appropriées. Au corps des santé militaires, un exposé analogue a été présenté au chef d'état-major général de FARDC par le général-major Singa Bungenya, commandant de ses corps. Pour clôturer sa tournée, le chef d'état-major se rendit à l'hôpital militaire central situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Sur les lieux, le général Thio s'est personnellement rendu compte de l'état de ces grands hôpitaux de l'armée et des conditions des malades. Une visite guidée, conduite par le général Kiko Biadeni, commandant de cet hôpital, a été organisée avant l'exposé dans la salle de réunion. Le chef d'état-major général de FARDC a promis de s'impliquer pour décanter certaines difficultés lui présentées à l'hôpital. Il a honoré quelques frais des malades. Partout il est passé, le lieutenant général Thio a marqué son passage par la signature des livres d'or. Jeunes nouvelles recrues au sein de FARDC venues du territoire des Kwamout, dont la province du Maïndombé, ont été présentées ce mardi 27 décembre 2022 aux autorités politiques et militaires de l'RDC au centre d'entraînement de Kibomango. Au nom du chef de l'État, Madame Nana Manouamina, ministre auprès du président de la République, a remercié ces jeunes qui ont choisi la voie de la raison de servir la nation sous le drapeau, mais également les autorités coutumières qui ont convaincu ces jeunes de répondre à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes. Merci à Liboso, à Bandekonion, à la Corolle, à Fandikat, à Oisika. Dans le titre, il y a une qualité, une vie respective, une implication, une vie non nionso. Merci, merci. La félicité bino, au bota mi bali à solo, botan a souci à Bobo de Lamboka, na bino pe à Bomema Kimia, et à mon a remercié bino.
Madame Manouamina a également appelé d'autres jeunes du territoire des Kwamout d'emboîter les pas au lieu d'être influencés par les ennemis de la paix, afin de perturber l'ordre public. Les messages de remerciement à ces jeunes déterminés à servir les pays ont été également adressés au cours de cette cérémonie par le vice-ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Le chef état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Assindafal, a effectué le 28 décembre 2022 une visite d'inspection au centre d'entraînement Fouma Poul Malebo, situé à Maluku. Le numéro 1 de la force terrestre est allé se rendre compte des conditions de prise en charge de militaires en plein reconditionnement dans ces centres. Après une réunion d'évaluation des activités avec les commandants du centre, les cadres et les instructeurs, le général Sikabwe s'est fait visiter le site sous la conduite du lieutenant-colonel Joaquin Afiston, commandant du centre, avant d'assister à quelques exercices. Le chef d'état-major de la force terrestre a tenu à cette occasion une causerie morale à l'intention des troupes. Dans son adresse, le général Fall s'est réjoui des conditions de leur prise en charge et s'est appesanti sur les missions régaliennes de FRDC et sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. Deuxième mission, coupate là. Population na biloko na ye soldats et forces armées à République démocratique du Congo mentalité na biso avant toi ya na armée to uta na ba mentalité kili kili ba mususu ba uti Sud Kivu ba mususu ba uti Ituri ba mususu ba uti Katanga ba mususu ba uti Équateur mutu na mutu azana mentalité na ye mais awa mentalité e o esengeli to bi manango awa esa mentalité akoyeba ke musala na biso esa ya ko batte la population civile n'a qu'au battre la paix biloko na ye, même l'air tozana kati ya bitumba, boye bake la première des choses, et sa population, qu'au battre la ye, na biloko na ye, pour protéger. De na yango, baye la kasoda malamu, et sa oyo aza ko protéger population, n'a qu'au battre la biloko na ye. Na ya souka o, oye ko sala ke oza la peza, to la taka ndenge moko, et sa déjà elembo à discipline. To tambola ka ndenge moko, au pas, et sa elembo à discipline. Avant de quitter les centres d'entraînement, les chefs d'état de la force terrestre est revenu sur sa visite au micro des co-militaires. Vous avez vu le chef de l'État mobiliser toutes les forces qu'il a en sa disposition pour former des troupes le plus rapidement possible. Alors, il a entamé une série de visites dans les sites qui forment les militaires que nous avons recrutés. Alors, il est un humain, il ne peut pas être partout à la fois. Alors, je suis venu le représenter ici, au centre d'entraînement des fusiliers marins à Maluku, là où nous avons tout un bataillon qui est en train d'être entraîné ici. Je suis arrivé, je les ai vus, j'ai observé, j'ai vu comment est-ce qu'ils s'entraînent et j'ai trouvé un degré assez élevé de discipline en eux. Et c'était ça le message que je venais apporter à ces jeunes gens. Pour être comme aujourd'hui, il faut nécessairement tabler sur la discipline, c'est-à-dire défendre la nation congolaise, elle est unique, elle est indivisible. La nation congolaise, nous avons hérité de nos ancêtres qui se sont battus pour la garder intacte, de nos pères qui se sont battus pour la garder intacte. Nous nous battons aussi pour garder cette république intacte. C'est tard dans la soirée que le lieutenant-général Sikabwe Assindafal a regagné son bureau. Les festivités de fin d'année se sont passées dans la quiétude grâce aux patrouilles du bataillon de la 14e région militaire, ville-province de Kinshasa. Ces éléments ont été visibles sur toute l'étendue de la capitale pour assurer la sécurité de la population civile et maintenir la discipline des militaires. Le commandant de la 14e région militaire, le général-major Kizi Mumbuyu Stazin, a personnellement lancé ces patrouilles. Il a donné des consignes à la conduite de ces opérations dans l'observation stricte de la discipline militaire. Discipline à Bamosusu, Yomoko discipline exalité. Discipline à police militaire et monanaka à partir à Colata, donc Moutoura Moutoua Mitala. Je dis que la ville comme Moussou est coquitée, pour le joya de Kokokisa. Donc au sein de la Bakon, si chef d'état-major général à Kokongisa Biloko. Mais pendant ce temps, Otoza Nangonano, Tolata Yangondenge Sengeli, donc Kendekosala Moussala Yambok. D'offrir sa peuple na Kimia, d'olingito dans la police militaire, et ça là, des exemplaires.
Quelques militaires sont tombés dans les filets des patrouilleurs pour manque d'autorisation des sorties. Le colonel Kazumba Dinanga Balen, commandant second du bataillon PEM, explique. Règlement militaire et lobby. Opération Nabito, Kinshasa, 100 militaires en divagation, 100 Kuluna. Les alliés pour continuer. Si Nasuka, Yamboula, Toto Kenenango. Les alliés mission routine, Yapem, Oto Salak à chaque fois. Les lotos Kei, Toko Kangama, Pinga Nyoso, les alliés en divagation. Toko Kanga Kuluna Nyoso, Tokute Nandenga à désordre. La ministre Nazoué Sabino, Toto Yapel, Yabougoumet et Yakisseso, Abin a venu de la paix, moyen alité. Toko Tambola et Loki Chassa. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Kabanda Kourenga Gilbert, a le vendredi 30 décembre 2022 pris part à la réception organisée à l'intention des anciens officiers de la force aérienne par le général-major Ngamalebe Franck, chef d'état-major de la force aérienne, le club des aviateurs, lieutenant-général Massamba Moussumbu Rigobert, situé à l'aéroport national de Ndolo, a servi de cadre de cette rencontre. Plusieurs pilotes militaires des renom et officiers ayant évolué dans cette unité prestigieuse des engins volants ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Ancien médecin aérotique à la force aérienne, le ministre de la Défense de se retrouver à la maison et de retrouver ceux qui étaient ses chefs hiérarchiques, amis et collègues de service. Dans son mot de circonstance, le général-major Ngama a remercié ses invités de marque pour l'amour et l'attachement à leurs armes et a rassuré à tous les vieux pilotes chevronniers de recourir à leurs sages conseils pour redonner à la force aérienne sa grandeur d'antan. De même, le ministre de la Défense nationale a exhorté les nouvelles autorités de la force aérienne de viser toujours les hauts et rassurer de son implication personnelle auprès de la haute hiérarchie pour l'acquisition de nouveaux avions performants pour la bonne marche de la force aérienne. Kinshasa en ébullition. Moulingami Katinankolo, pe mwana ya Congo démocratique Nyonso. Dans le souci de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, et nos vaillants FRDC, l'association des jumeaux forts du Congo et le frère José Nzita, Babongisi, Mabongisami, Yann Monene, Ponabo Pessi, Makila, Namampinga, Nabiso, FRDC, Oyo et Benamina Komboya, Bikisa, Moninga. Donner le sang, c'est donner vie à une autre personne. Au programme Ponabo Pessi, Makila. Lancement officiel le mercredi 4 janvier. Au camp Kokolo de 10h à 17h. Le 16 janvier 2023, na camp Tchatchi, Kobanda 10h, Kino 17h. Le 21 janvier, na camp Mbaki, Tondolo, Kobanda Ngongaya 10h, Kino 17h. Le 28 janvier 2023, na camp Seta, Kobanda Ngongaya 10h, Kino 17h. Petokosukisa, le 4 février 2023, na camp Badiading, Kobanda Ngonga ya 10h, Kino 17h. Et Seigneur Boué va être Mikolo Nyonso Oyo, Toko Tombo la Peko Kumi Sanzambe, et le Mona Mosalinaye, le frère José Nzita, Pena Bandeko, Misusu. Tout Congolais conscient et patriote sera sensible pour cette campagne de don du sang. Chrétiens, musulmans, politiciens, membres de la société civile, Makambo Oyo, Etali, Bisso, Nyonso. Soutenons nos vaillants FRDC en donnant notre sang, car la sécurité de notre pays, la RDC, en dépend. Kabola Bomoinayo, na Mampinga na Bisso ya FRDC, na Bopesi, Makila, Nayo. Zambe, Apambo Labino, Peboyeyi, Bolamo, na Bisso Nyonso. La victoire est là. Par
Très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Peuple congolais, Kokotali Kamboyo, Bonga kwa défendre Moka Yango et Belémie, et Tikali Kaka Sali Lobanayo, Mwana Yamboka, Koko Sezoni Manaboko Nayo, Mwana Kongo. Malo baka qui fait la peuple par la guerre, on dirait basaline des réseaux. Mais ma prépare à ta guerre et dengue nini, sauf qui te voit ici armé. Je me mets canano, distraction, vanda pétani sa malamou. Tout le sang part de ses mamans compo, mon gouna, kota les sous tes mains. Elenge moi si l'amour canano n'a pas ni à kato bunde la nimboka. Donc on a mis soi l'ouïe à yobon, n'a pas dit la zone, on a ma casse, tellement.